On dit quoi, mon ami? Ça va bien? Respo. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Oui, j'ai une très bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Très bonne nouvelle. Ah, j'imagine que tu as repris les cours. Non, Respo. C'est école là. Actuellement, il ne peut plus partir à l'école. Hein? Ah, c'est que tu as eu du travail alors. Travail là, il a déposé des emplois, des demandes d'emploi un peu partout. Mais depuis là, ça n'a pas encore marché. C'est que je sais que ça est dans la main de Dieu. Dieu va agir. Hein? Je n'ai pas encore eu du travail. Aïe, mais si tu n'as pas repris les cours et puis tu n'as pas eu du travail, quelle est cette bonne nouvelle que toi tu veux m'annoncer? En fait, c'est pour te dire que je suis fiancé maintenant. J'ai une copine. Quoi? Tu n'as pas de travail? Je t'ai conseillé de reprendre les cours. Tu ne veux pas reprendre et tu viens m'annoncer aujourd'hui que tu veux te fiancer. Et tu appelles cela une bonne nouvelle? Mais pourquoi vous, les enfants de notre temps même là, vous êtes comme ça? Hey, Respo, est-ce que pour se marier là, on a besoin d'avoir du travail? Mais femme, tu vas marier là. Hein? Ses parents lui donnaient à manger. Il faudrait que ses parents soient sûrs que la personne à qui on est en train de remettre notre enfant, la personne sera capable de prendre soin de notre enfant. Ah, mais on ne se marie pas pour manger seulement. Mais pourquoi vous, les enfants de notre temps même là, vous êtes comme ça? Quand on vous donne conseil, ça rentre ici, ça sort là. Et si la femme a une maladie, tu dois pouvoir être capable de l'envoyer à l'hôpital. Mais oui, tu es là, tu ne fais rien. Toi là, qu'est-ce que tu peux apporter de mieux à l'enfant de quelqu'un? Tiens, ami, ce ne sont pas les enfants qui se marient, toi aussi. C'est-à-dire, vos petits là, vous n'êtes jamais heureux de leur bonheur. Moi, comme ça, il vient te dire que je suis fiancé. En principe, tu devais être content. Mais regarde comment toi, tu réagis. Regarde comment toi, tu réagis. C'est-à-dire que tu n'es même pas content de ce qui m'arrive de bien. Non, tu n'es pas content. Aïe! Ça cause à toi-même depuis là, tu n'es pas encore marié, tu es là. Alors, tu dis quoi? Moi, je suis en train de te donner des conseils et puis toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Ok. C'est quand tu as cogné caillou là, tu vas revenir ici pour prendre conseil. Souvent, la conseil ne conseille pas. C'est conséquence qui conseille. Tu vas revenir ici. Je t'attends. Non, reste pour aujourd'hui la semaine.